Bonjour, bonsoir mes petites nounouilles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 du 100 Baby Challenge. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça peut aller, je me suis fait une petite entorse de la cheville, enfin pas une petite, une grosse quand même. J'ai cru que j'avais la cheville cassée mais en fait c'est une très grosse entorse. Du coup bah j'ai toute la semaine pour faire mon tournage Sims, et là je le fais le lundi car je suis toute seule, donc j'en profite. Donc là, je sais pas si je vais essayer de faire une ellipse dans le 100 Baby, parce que je crois qu'il va rien se passer pendant quelques jours. Ina part dans 5 jours Sims. Hein, il faut voir. Donc là, les Sims sont en train de se lancer comme d'habitude. Donc là, ça va, ça charge, ça va vite. Bientôt, j'aurai le pack loup-garou que je pourrai enfin tester. Je suis assez pressée. Là, franchement, j'ai créé les Sims et tout. Faut aller voir sur Twitter ou sur mon Discord. J'ai créé du coup les loups-garous pour un let's play avec le pack. C'est pas nouveau, hein. Les loups-garous seront Risa, donc moi, et Tenji. Donc, et il y aura une vampire dans l'histoire, bien sûr, qui sera Shuriza. Donc, le dernier épisode, on a eu deux anniversaires, donc celui de Clover et des jumelles qui ont grandi, donc les dernières jumelles. Donc là, dans 5 jours Sims, Ena doit partir. Ça va faire un peu bizarre, hein, parce que quand même, j'ai encore le bug de la lumière, ça va vite me casser les noisettes, ça. Ouais, du coup, elle va partir dans 5 jours Sims. Donc là, c'est 3 jours Sims, du coup. Peut-être qu'elle sera partie dans cet épisode, je ne sais pas. Donc du coup, quand elle va partir, ça fait qu'il y aura une place pour un bébé. Je suis pas pressée parce que les bambins, c'est chiant. Et les bébés aussi, parce que ça chie dans leur couche tous les 5 secondes et tout. Mais bon, le but étant de faire 100 bébés. Donc on va respecter. J'espère que le bébé sera, je veux dire, pas blond ou avec des yeux verts. Je veux quand même changer parce que si, exemple, la maman a les yeux verts et les cheveux blonds, je serais un petit peu triste parce que ce serait répétitif, quoi. T'inquiète, bientôt, Clover, tu pourras refaire crac-crac. Est-ce que quelqu'un travaille aujourd'hui? Alors, si vous m'entendez pas, je suis vraiment désolée. Le micro fait vraiment de la merde. Il est vraiment en train de lâcher. Elle travaille dans 2 heures. Et ça va très, très vite me saouler. Donc là, on va profiter qu'il dort. Ah, le retour des assiettes! Les assiettes qui puent! Donc du coup, comme je vous ai expliqué, ouais, je me suis fait une très grosse entorse à la cheville. Donc je suis tombée vendredi, j'ai loupé une marche car j'étais au téléphone et j'ai pas pensé aux marches. Faut vraiment que j'apprenne à regarder devant moi. Du coup, en fait, j'ai loupé une marche, j'ai eu du mal à me lever, mais j'ai quand même réussi à marcher sur le coup. Mais après, dans la soirée, ma cheville a commencé à gonfler. Je ne pouvais plus du tout bouger mon pied. Mes orteils s'endormaient, et à un moment, samedi, j'ai craqué, j'ai commencé à pleurer parce que je dormais plus. J'avais mal même sans bouger. J'ai pleuré et tout, et du coup, on a été aux urgences. Donc, c'est pas cassé, il n'y a aucun signe de fracture. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup peur parce que je me dis, j'ai cassé ma cheville, j'avais vraiment très mal. Et là, en fait, j'ai une attelle. Attendez. Ah oui, il faut se lever. Oh, se lève tout seul, c'est trop bien. Bah écoute, tu n'as pas faim, tu vas aller te distraire. Et du coup, je suis avec une attelle pour que ma cheville, en fait, mon pied ne bouge pas. Donc je dois dormir avec pendant 10 jours. Donc pendant 10 jours, j'ai attelle jour et nuit. Et les 10 jours qui suivent après, c'est attelle la journée, mais je peux l'enlever la nuit si je veux. Donc là, mon pied, j'ai encore mal, hein, bien sûr. Je suis avec des béquilles et c'est assez galère les béquilles, on va pas se le cacher non plus. Hein. Du coup, bah ma formation, pour l'instant, je dois rester chez moi. Je suis à pied, donc imaginez aller à ma formation à pied avec mes béquilles. Oh non, non! Oh, tu répareras. Oh, je m'en fous. Attends. Elle va se faire un petit truc pour manger, là. Un petit sachet. Tu vas te prendre une petite brioche. Vas-y. Tu peux en prendre deux. Comme ça, t'en mets un pour ta fille. Donc, peut-être que Ena va partir dans cet épisode. Je ne sais pas. Donc là je tourne le lundi, ça veut pas dire que l'épisode sortira avant. Hein. Et c'est comme d'habitude, l'épisode sort le dimanche à 14h. T'as raison, te dépêche pas, fais comme ta fille. À la fin mais c'est pas grave. Il est où? Le deuxième, elle me l'a foutu où? T'es casse-couille. Hein. Non là franchement tu m'énerves. Je m'en fous, t'en prends un autre pour ta fille, je m'en fous. Non, 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 tu vas travailler après. Non, mais faut pas... Tu déconnes ou quoi, là? Dépêche-toi avant que ta fille parte, dépêche-toi.
Et je reste plantée là, je ne fais rien comme d'habitude. Ma fille va partir au travail, elle aura pas son sachet. Dépêche. Merci. Alors maintenant, toi, tu peux aller travailler. Donc toi. Ah ouais, non, elle est même pas partie. Oh! C'est pas bien! Au travail! Mais tu viens de te changer. Oui, t'aimes le jeu. Alors! Ah oui, c'est vrai. Ena, tu vas te lever. Tu vas réparer ça. Je suis désolée, ma poulette. Faudra que je refasse les repas. Donc en rentrant après qu'elle aura peut-être dormi. Non, quoique, elle a plus faim. Donc elle va manger pendant le boulot. Et elle va faire les repas. Ok. Tu viens prendre ça. Toi, tu viens prendre un petit morceau. Bon, non, tu vas prendre ça. En plus, je vous raconte pas, là, je suis en train de tourner, ça me fait un mal de chien. Ah, attendez, je crois qu'il y a un chat dans la cuisine. Allez, c'est parti pour boiter. J'étais à cloche-pied! Oh putain! Du coup. Donc, toi, tu te réveilles. Donc, il reste 4 parts. Donc, une, deux, trois. Voilà, une petite brioche. Bon, ils ont tous les deux faim dans tous les cas. Hein, Et Ena. Allez! Debout! Allez, que ça fourmille là! Et du coup, je regarde des let's play sur les Sims 2. J'ai les Sims 2 sur Origin. Le souci, c'est que ça bug en fait. Les chargements sont très longs, le jeu bug beaucoup. Mais aussi, ça fait comme les Sims 3, hein, ça bug aussi, hein, les chargements. La dernière fois, j'ai joué aux Sims 3, 20 minutes d'attente pour pouvoir jouer. 20 minutes d'attente. Et encore, merci les Sims 3, hein, ils m'ont tout remis mes options à zéro, ça veut dire ma résolution d'écran et tout. J'ai dû tout refaire. Je savais même plus qu'est-ce que j'avais. Donc voilà. Maman, 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 maman. T'as pas mangé. Bah écoute, c'est pas grave, tu vas manger ça. Alors, se faire des amis. J'aimerais vraiment devenir ami avec quelqu'un, mais il ne semble pas vouloir être mon ami. Cependant, puis-je l'en convaincre? Continue à avoir un comportement amical. Fais un geste amical incroyable. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à être ton ami. Bah, en soi, continue ton comportement amical, mais ne l'oblige pas. C'est tout. On va pas obliger quelqu'un. Si quelqu'un veut devenir ton ami, il faut surtout pas l'obliger. Bah tiens, Ina. Bah tiens. Bah tiens. Pipi. Tu vas ranger ça, ma poulette. Tu vas cuisiner. Hein, tu vas servir le petit déjeuner, non? Une omelette. Mais je lui ai demandé de cuisiner, pourquoi il... Ah, j'allais dire... Non, mais ça bug vraiment. Ah oui, bah t'as raison, toi. Fais tes devoirs, tu vas aller à l'école, là. Même pas. Allez, hop. Ok. Non, 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 tous à l'école. Allez. Toi, t'avais qu'à faire tes devoirs avant, je suis désolée. Ok, nickel. Maman cuisine. Ça fait bizarre qu'elle soit adulte, hein. Donc, senior, dans 22 jours Sims, quoi. Du coup, l'aile, elle part dans 3 jours Sims, d'accord? Les jumelles deviennent ados dans 7 jours Sims. Non, deviennent adultes, jeunes adultes, excusez-moi, pas ados, elles sont déjà ados, donc adultes dans 7 jours Sims, oh mon dieu. Du coup, bah, c'est pareil hein, ici, hein, c'est des jumelles. Et les garçons? 3, 5 jours, ok. Donc là, ils vont faire le minimum, hein, ils ont déjà fait des amis. On va essayer de trouver un petit ami pour Rena. Quand même. Est-ce qu'elle a des amis? Elle a dû faire des rencontres de garçons, non? Même pas? Bon, allez, tu vas te faire des amis. Moi, je pensais qu'elle avait rencontré des gens, mais même pas, c'est quoi ce délire? Oh là. Et en plus, dans les Sims 2, ce qui était génial, c'est qu'il y avait des histoires, des souvenirs et tout. Enfin, ils avaient des envies. Là, je trouve que les Sims 4, c'est tellement vide en fait. Déjà, ils ont supprimé toutes les histoires. J'ai enfin su la vraie histoire de Sonia Gothic. C'est pas du tout ce qu'on pensait. Je suis un peu déçue parce que j'ai fait des recherches et tout. Je voulais vraiment savoir pourquoi c'était fait enlever par les extraterrestres, mais c'est pas du tout ça. C'est Sonia elle-même qui a fait une interview. Donc la personne qui se fait passer pour Sonia, elle a fait une interview, a répondu à des questions.
Et je suis un peu dégoûtée, mais enfin voilà quoi, l'histoire est enfin réglée. L'autre a oublié ses devoirs. Mais c'est pas du tout ce qu'on pensait. Ah, cette histoire m'avait marqué, hein, Sonia. Et en plus, il n'y a pas que l'histoire de Sonia qui peut être intéressante. Il y a aussi toutes les histoires dans le Sim. De mon Sim. Mon Simpa. Ah, j'arrive pas à dire les. J'ai tellement pas joué au Sims 2. Je connais juste comme ça. Et il y a des histoires en fait, les Calientes, les Gothiques, les Doux Rêves et tout. Enfin, il y a des histoires comme ça. Lettre d'amour. Attendre la suite. Va pas voir les lettres, tu vas te taper la honte. Alors, ma douce, attends. Science étrange. Au laboratoire, l'expérience de Suba a explosé. Bon, pas une punition. Il n'y a rien de grave, personne n'est blessé, donc tu laisses mon fils tranquille. Tu vas nettoyer ça. Tu vas ranger ça. Et je sais pas ce qu'elle fait là, je sais pas. Dehors, il pleuve comme vache qui pisse, mais elle, elle bouge pas d'un poil. T'attends quoi là? Clover! Mais c'est quoi cette blague? Mais t'attends quoi? Mais elle est con. Je vous jure, les Sims 4, c'est... Hey. Sérieusement. Alors, un coup, elle le fait, un coup, elle le fait pas. Donc, un coup, je demande de faire le ménage, c'est-à-dire qu'elle prend les assiettes qui sont sur la table là-bas, justement, mais les repose. Et là, comme par hasard, elle les met dans la vaisselle. Foutage de gueule, madame. Non, mais je vais me buter. Depuis tout à l'heure, il y a le 100 Baby Challenge qui est affiché en plein milieu de l'écran. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis une abrutie finie. Mais une très grosse abrutie finie. Hein. Est-ce que tu peux faire des améliorations? Ce serait cool parce que comme ça, ils arrêtent de péter mes chiottes. J'espère que notre petite Ena va rencontrer quelqu'un. Hein, parce que là, elle en a vraiment besoin. Est-ce qu'on ferait pas un rencard? Ou un rendez-vous? Proposer un rencard? Allez, proposer un petit rencard. À notre ami. Comment il s'appelle déjà? Kiyoshi. Et bien sûr, il est pas là. Bah ouais, normal, on n'a pas d'amour. Ah, fais chier. Tu viens, Kiyoshi? Cours, vas-y! On est tout seul! Profitons, nous sommes seuls! Non, tu montes pas! Oh, saloperie. Oh, mes gamins, là, ils sont tous crades, les quatre, là. Oh. Alors, le mec, il aime pas la fitness, mais on l'a rencontré dans une salle de sport. Et comme par hasard, je peux pas lui parler. On va faire action, ajouter à la bande. Bon, est-ce qu'on peut aller quelque part, un truc comme ça? C'est dingue, j'ai l'impression que c'est soit moi qui est sourde, soit j'ai baissé le son de mon PC. Attendez. Ah, c'est mieux d'un coup. Il n'y a pas un restaurant, un truc comme ça, parce que moi... Viens, Kiyoshi, on va aller danser. Je vais te séduire avec ma voix. Oui, du coup, c'est comme vous pouvez... Attendez, j'ai un bug. J'ai eu un bug. Comme vous pouvez voir, oui, j'ai changé les screens de CAS, vous verrez, et du chargement, du menu de chargement. Parce que c'est dans mon thème, c'est le violet, moi j'aime bien. J'ai pas trouvé mieux, hein, malheureusement. Il y en a, mais ils sont pas à jour, donc ça fait un petit peu... C'est chiant, quoi, c'est moche. Attends, déjà... J'ai dit pause. Déjà, tu vas m'enlever cette tenue, hein. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme tenue? Elle est quand même à un petit rendez-vous, donc c'est pas un rencard, mais on va essayer de développer des sentiments amoureux. Bon, allez, tu vas mettre ça. Vas-y. Regardez, qu'elle est belle là. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Alors, tout d'abord, on va aller danser. Danser ensemble. Allez. Mais là, mon but dans cet épisode, c'est trouver un petit ami à Ena. Mais elle n'a pas l'air de rencontrer de gens. Ça me rend triste. Hein. Pourquoi ça n'arrive pas à se faire des amis? Elle est solitaire ou quoi? Non, ah, bien élevée, végétarienne, affection animale. Ah, quoi encore? Hey Clover, je trouve. Bah, fais ce que tu veux. À chaque fois, je crois qu'on est à une barre élevée en amitié, mais c'est même pas le cas.
demande chez la personne célibataire. Non, mais par contre, les autres, cassez-vous, hein. Mais va... J'en ai marre. Je vais te payer un verre. Normalement, c'est l'homme qui invite, hein, mais je te paye un verre parce que je suis sympa. Commander une boisson. Commander une boisson pour le groupe. Un petit jus avec glaçon. Allez. Mais tu peux pas! Oui, j'espère pas que j'ai payé à tout le monde, là! Oula, je le sens pas. J'ai payé à tout le monde, en fait. Attendez. Je regarde quelque chose dans la galerie. Oui, donc ça, c'est les trucs que je crée. Hein. Ah oui. Ah oui, il faut que je le mette, lui, c'est vrai. Iowa. Il faut que je mette Iowa. Je suis désolée. Il faut que je le mette. Pourquoi on m'a mis les gothiques? Bon, bref. Qu'est-ce que ça rame? Mais qu'est-ce que je vais péter un watt? Bon là, c'est, il faut avoir une belle amitié quand même. Les gamins vont se gérer seuls. Ena n'a rencontré personne. Tu peux commencer à draguer, vas-y. Profite, il est jeune. Alors prépare-toi, dans 3 jours Sims, tu vas avoir des gosses. Un gosse plutôt. Sauf s'il y a un drame. Oh là là, il dit pas non! C'est le jour des fantômes ou ça se passe comment? Mais bah, il gère tout seul. Hein. Maman, elle est occupée. Maman, elle est en rendez-vous, elle dragouille. Oh, il a chaud, hein. Ouh là 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 là, il a chaud. Envoyer un baiser. Ouais, t'as redemandé une boisson, là? Eh bah! Oh là là! Mec! Mais qu'est-ce qu'il a? Mais t'es malade, hein! Mais t'es fou, hein! Qu'est-ce que t'as? Sûr de lui, aventurieux et romantique. Allez, y en a sur quoi t'es, putain. Allez, on va danser. Oh, pipi. Excuse-moi, ma douce. J'ai pas pensé à toi. Pipi, va faire pipi. J'ai pas envie que tu te tapes la honte. Allez, vas-y. Mais toi, fouille la paix, elle veut pisser. Ah. Voilà. Et après, où est-ce qu'il est? Eh, Kiyoshi? T'es parti ou... Il est où? Oh, il est parti. Bon, elle a passé un bon petit moment. Bon, il y a un petit peu d'amour qui est apparu, mais bon... Enfin bon, pour l'instant, je peux pas faire de bébé, donc... Vas-y, envoie un petit message et tu peux rentrer après. Pourquoi tu vas là? Oh, Raoul! Raoul, je t'aime bien, mais non, j'ai besoin de sous, je suis désolée, je suis pas intéressée. Bah, quand on parle des Calientes tout à l'heure... Eh, faut vraiment les relooker. Eh, je vous jure, je vais relooker les Calientes. C'est quoi cette gueule? Si vous connaissez les Sims 2 et les Calientes, il y a une sacrée différence. Hein. Elles sont censées être sexy et attirantes. Là, je suis désolée, mais... Non, je suis pas d'accord. Non, je vais les relooker dans une autre partie. Ou peut-être celle-là, je sais pas. On verra bien. Il y a aussi Don Lotario, je crois. Ça y est, je suis à fond dans les histoires Sims 2, moi, ça y est. Et quand tu vois que les Sims 4, ils ont tout niqué, les histoires sont parties aux oubliettes, ça fait mal au cœur, quoi, parce que... Oh. C'est intéressant. Les Sims 3 aussi, c'est intéressant.
D'ailleurs, je vais y rejouer au Sims 3. C'est juste qu'en fait, attendre 20 minutes pour jouer, et encore parfois ça veut pas, c'est complètement buggé. C'est chiant en fait. Si vous avez des astuces pour jouer au Sims 3 dans une condition optimale, dites-moi. Parce que là, moi, je vais péter un câble. Hein. Ça bug tout le temps. Au bout d'un moment, le jeu, en fait. Comment dire? Il freeze en fait. Ou alors quand il marche, c'est des trucs bizarres qu'ils font. Enfin. Mais j'adore jouer au Sims 3. Hein. C'est pas le problème. Hein. C'était beau ça, tout le monde a eu peur! Est-ce que t'as rencontré des gens, ma douce? Mais pourquoi tu rencontres personne? Écoute, je crois qu'on va sortir après avec toi, dans un truc d'ado, parce que là, ça va pas. Ils vont tous se gérer, hein, d'accord? Ils vont tous se gérer. Nous, on va sortir, on va trouver un petit ami ou une petite amie, d'accord? Où est-ce que tu peux aller? Il y a bien des trucs d'ado quelque part. On va aller dans un petit bar. Oh non. Non, pas une bibliothèque. Allez, on va dans un petit bar. Non. Allez, on y va tout seul. On s'occupe d'Ena. Elle a besoin d'amour. Elle va bientôt partir. Il faut qu'elle ait quelqu'un dans sa vie pour la partager. Une fille ou un garçon. Donc je m'en fous tant qu'elle trouve l'amour. Ce qui est un peu con aussi dans les Sims 4, c'est que dans les Sims 2, en fait, ils pouvaient trouver la personne qui leur plaisait. Ils avaient un coup de foudre ou pas, tandis que là, c'est toi qui choisis en fait. Il n'y a pas de truc que ça passe ou ça casse. C'est toi qui décides si ça passe en fait. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir par rapport à l'autre concept Sims que je vais faire, de quand je vais le faire. Ouais, je réfléchis. Les Sims radins, c'est pas grave. Alors, y a-t-il des ados? Une grand-mère, une personne âgée. Ok. Une adulte. Une adulte. Est-ce que je peux mettre coin d'ado? Ce serait cool quand même. Allez, il faut trouver quelqu'un dans ta vie, ma belle. Alors, j'ai mis coin d'ado. J'espère que ça va marcher. Ah non, une adulte, une fan, comme par hasard. Alors, je sais pas comment les gens qui jouent aussi me trouvent des personnes directes. Alors, moi, c'est toujours compliqué, hein. T'es quoi? Un adulte. Moi? Je veux juste qu'elle rencontre l'amour. Fille ou garçon, je m'en fous. Une ado, vas-y, présente-toi. Tu l'as côté? Vas-y, invite à danser. J'arrive pas à l'inviter, bordel! Mais viens! Parfait, c'est bon. Présente-toi. Présente-toi. Après, elle n'est pas obligée de trouver l'amour. Hein. Si ça passe pas, tant pis, ce sera sa meilleure amie, elle partira avec elle. C'est pas bien grave, vous savez. Hein. J'ai cru voir quelqu'un qui s'est fait électrocuter. C'est toi? Oh, s'est fait électrocuter la meuf. Regardez, elle est électrique. Oh non. C'est bien, ça discute. Les ados sont tous ramenés. Du genre, ce jeu se fout de ma gueule. Oh, elle est partie? Meuf! Non, tu reviens là? Bon, bah, elle m'a laissé tomber. Pas bien grave. Elle a trouvé une amie, c'est bien. Elle va rester en contact avec elle. Elle avait vraiment personne, alors que tout le monde a rencontré des amis, je crois, à l'école. J'aurais pas pris la meuf avec moi là. Allez, je l'ai ramenée. Putain, mais ils ont rien fait de la journée. Vous êtes sérieux les gosses là? Elle, maman, elle s'occupe, elle le fait à manger. Vous attendez quoi les deux meufs là? Eina! Oui, c'est bien. Tu discutes, c'est très bien, mais maintenant on va faire ses devoirs. Ok, le premier qui a fini. C'est 4. Il peut aller.
Elle s'en prend à mon nounours. Oh, elle s'en prend à mon nounours. Tu peux prendre une assiette. Oula. Ah, Suba passe par une phase. Ok, deuxième. Ah! La team pipi. Ils vont être crevés, mes gosses. Elle, ça va, elle est en forme. J'ai rien à dire. La meuf, elle est encore là? Ça va, meuf? Ah, par contre, hein, quand on est en rendez-vous et qu'on est en groupe, tu te gênes pas pour partir. Hein. Non, mais c'est fini, l'orage, là. Mais merde! Même ça. Comment les trucs de gosses prennent cher? Ah, maman va juste prendre sa douche et elle va au travail, c'est tout. Mon Dieu. Et tire à bosser. Mais ouais, après, si je veux qu'elle ait une promotion, j'aurais peut-être pas le choix pour la mixiologie. Je vais acheter les livres. Hop, hop. Je vais vendre un tableau, comme ça. Un pas cher. Alors, fera de toute manière. On va acheter des livres dans la bibliothèque. Donc, des compétences mixiologie. Compétences... Il y a tellement de compétences. 1, 2, 3. Ok. Mais toi, meuf, t'es là depuis je ne sais combien de temps. Dégage, en fait. Bon, je pense que dans cet épisode-là, on va juste faire deux jours. Hein, comme ça, le prochain épisode, Ena partira et il y aura une naissance ou juste une grossesse. On ne sait pas. Donc juste une journée, là. Parce que je commence à avoir mal aux pieds, c'est horrible. Y'en a deux qui dorment. Elles sont en train de sécher les cours. Allez, tu vas lire, ma belle. On améliore sa compétence pour avoir une promotion et gagner plus d'argent quand même. Ah putain, mais elle a grossi, c'est un truc de malade ça ou c'est moi? C'est pas des conneries, hein. Le sport t'arrête, c'est fini, hein. Tu reprends tout. Putain, mais dans les Sims 3, ce qui était bien aussi, je sais que je saoule avec ces Sims 3, mais putain, c'est tellement mieux. Là, tu dois faire je ne sais combien de fois lire, 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 alors que dans les Sims 3, tu pouvais juste prendre la petite molette en haut là et l'agrandir pour qu'ils améliorent leurs compétences eux-mêmes. Là, putain, c'est chiant quoi. Oh, c'est bientôt l'anniversaire d'Ena. Regarde ça! Mais qu'est-ce que c'est chiant! Il faut qu'elle améliore sa compétence au level 2. Comme ça, elle est tranquille, elle aura une promotion et elle fera de temps en temps lire la mixologie pour améliorer sa compétence. Comme ça, elle aura des promotions. Mais l'orage derrière, c'est horrible. Comment il pleut? Je me disais bien qu'il manquait des murs. C'est quoi, tu m'énerves? Oh, je suis trop... Ah, j'ai volé un livre, mais je suis trop tendue pour faire mes devoirs. Bah, démerde-toi. L'autre, elle m'a volé un livre. Bah, elle est plus qu'à le ranger, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Au bord de la crise, tu voles des objets, tu oses me dire ça, mais t'es sérieuse, toi? Je te hais, bah, gagne-moi ça, là. Vas-y. Après, tu vas ranger ça. Non, mais il veut pas faire leur devoir, j'en ai rien à faire, il se débrouille. C'est bon, hein, je vais pas gérer tous les gosses non plus, c'est des grands, hein. Il a pas mangé, mais j'en ai marre de ces gosses! Mais tellement marre de ces gosses! En plus, elle est en retard! Mais non, mais j'hallucine! Mais je vais péter un câble! Elle a pas été pissée comme je lui ai demandé! J'en ai marre!
Mais j'en ai marre de ces Sims! Punaise! Donc voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, donc je pense qu'il sera un tout petit peu plus court, mais je suis vraiment désolée. J'ai très très mal aux pieds, je vais pas supporter, je suis très mal mis, c'est pas confortable. Donc je vais m'arrêter là. Donc le prochain épisode sera le 14, et normalement Ena partira, donc elle va devenir adulte, et elle partira de la maison, ce qui fait qu'il va rester une place pour un bébé. Donc prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bisous mes petites nounouilles, je vous aime!